Cela s'est produit en 2011, alors que j'étais sur le point de remplacer le revêtement de sol de mon local de stockage. J'utilisais ce local depuis de nombreuses années. Au fil du temps, le sol avait subi une forte usure. J'ai également remarqué que certains espaces entre les sols devenaient de plus en plus grands. Cela posait de nombreux problèmes de nettoyage, car la poussière et les débris se coinçaient souvent dans ces interstices. J'avais beau essayer de les nettoyer, je ne parvenais pas à éliminer complètement ces taches tenaces. Pour ne rien arranger, certaines planches s'étaient même détachées en raison de l'âge du sol. Lorsque je marchais sur le sol, celui-ci émettait un bruit de raclement. Compte tenu de tous ces problèmes, j'ai décidé que la meilleure solution était de remplacer le parquet. Un jour, j'ai sorti toutes les affaires du débarras. J'ai posé le nouveau revêtement sur le sol. Cependant, alors que je me concentrais sur mon travail, j'ai accidentellement marché sur un clou qui dépassait. Une douleur aiguë s'est propagée à la base de mon pied et je me suis immédiatement assis sur le sol, en proie à la douleur. J'ai décidé d'aller immédiatement à l'hôpital, sachant qu'il y avait un risque possible d'infection par le tétanos. À l'hôpital, j'ai raconté au médecin ce qui s'était passé et lui ai montré ma blessure. Il m'a dit que la blessure semblait assez profonde et qu'il y avait un risque d'infection. Pour prévenir une infection tétanique, il a décidé de me vacciner contre le tétanos. Le lendemain, j'ai commencé à me sentir un peu mal. Je me sentais fatigué et étourdi, et j'ai également remarqué une rougeur et un gonflement autour de la plaie. Je me suis inquiété du fait que ces réactions ne semblaient pas normales. J'ai immédiatement contacté mon médecin et lui ai décrit mes symptômes. Le médecin m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un effet secondaire du vaccin contre le tétanos. Il m'a conseillé de me rendre à nouveau à l'hôpital pour y subir des examens. Je me suis précipité nerveusement à l'hôpital dans l'espoir de trouver une solution. À l'hôpital. Le médecin m'a dit que mon corps faisait une réaction allergique et que la plaie était infectée. Il allait me faire deux injections de pénicilline. Le médecin a pris une seringue contenant une solution de pénicilline. J'ai senti une légère piqûre lorsque le médicament a pénétré dans mon corps. Malgré la piqûre, j'ai fait de mon mieux pour rester calme. Après la première injection, les médecins ont observé attentivement ma réaction. Ils m'ont demandé si je ressentais une gêne ou une réaction allergique. Heureusement, je n'ai pas eu d'effet secondaire grave et je n'ai ressenti qu'une légère douleur. Cependant, après la deuxième injection de pénicilline, les choses ont soudainement changé. Je me suis senti étourdi et ma vision a commencé à se brouiller. J'ai essayé de m'asseoir, mais mon corps est devenu très lourd. J'ai fini par m'évanouir et je suis tombé par terre. Ma conscience s'est évanouie, les sons et la lumière autour de moi se sont estompés et je suis tombé dans le coma. Soudain, j'ai émergé dans l'obscurité. Il n'y avait ni bruit ni lumière autour de moi. Toutes mes douleurs ont disparu. J'avais l'impression de flotter dans le vide. C'était une sensation extraordinaire. Lorsque j'ai revu la lumière, je me suis retrouvé à flotter au plafond de la salle, surplombant toute la pièce. Je pouvais voir clairement tous les détails de la salle. Mon corps était secoué de convulsions et de la mousse blanche sortait des coins de ma bouche. Ce spectacle me stupéfiait et me terrifiait à la fois. Les médecins et les infirmières ont continué à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, à m'administrer la respiration artificielle et à me faire des compressions thoraciques. L'atmosphère était tendue dans le service. J'ai vu l'infirmière qui m'avait administré de la pénicilline un peu plus tôt, debout dans un coin. Son expression était désemparée et gênée, comme si elle était très stressée. Je me suis approché d'elle lentement, je voulais la réconforter. Lorsque j'ai posé ma main sur son épaule, j'ai été surpris de constater que ma main traversait son corps sans aucun contact. Je me suis rendu compte que je n'étais plus dans le monde physique. Bien que je puisse percevoir tout ce qui m'entoure, je ne peux pas interagir directement avec le monde réel. J'ai entendu l'un des médecins dire à l'infirmière que nous étions sur le point de le perdre.
Ces mots m'ont rempli d'impuissance et de désespoir. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Soudain, un médecin s'est précipité dans la salle d'opération, une seringue particulièrement longue à la main. Le médecin s'est rapidement approché de mon corps et a introduit la longue seringue dans ma poitrine. La pointe de l'aiguille a pénétré la peau et s'est enfoncée directement dans l'espace entre mes côtes. L'expression du médecin était très déterminée. Il n'a cessé d'ajuster la seringue pour s'assurer que le médicament était injecté en douceur dans mon corps. Ses mouvements étaient agiles et précis. À cet instant, je me suis retrouvé dans une pièce inconnue. Les murs étaient faits de briques et de pierres. Ils portaient les marques de l'âge. Il y avait aussi de vieilles fresques sur les murs. Les meubles de la pièce sont en vieux bois. Sur la table, il y a un livre jauni et une vieille plume. Dans un coin de la pièce, il y a une chaise à l'ancienne. Le dossier de la chaise est minutieusement sculpté d'un motif floral. Une faible lueur envahit toute la pièce. Soudain, un homme est entré dans la pièce. J'ai vu une silhouette familière. C'était ma tante, qui était morte il y a 9 ans. Elle portait une longue robe bleu pâle délicatement brodée. Ses longs cheveux tombaient en cascade sur ses épaules, doux et brillants comme une chute d'eau. Elle sourit doucement et ses yeux brillent d'une lueur éclatante. Son visage semble avoir été épargné par les années et conserve sa jeunesse. Il n'y avait pas une seule ride sur son visage. Lorsque j'avais 3 ans, ma mère est morte dans un accident. À l'époque, notre famille n'était pas très riche et mon père devait encore travailler et ne pouvait pas s'occuper de moi à tout moment. Dans cette situation, ma tante s'est proposée pour s'occuper de moi. C'est une personne gentille et aimante. Ma tante m'a pris en charge et m'a donné la chaleur d'une famille. J'ai passé de nombreux moments heureux sous la tutelle de ma tante. Elle était comme une mère aimante qui me donnait un sentiment de sécurité. Elle m'a appris beaucoup de choses sur la vie. J'ai grandi en compagnie de ma tante. J'ai progressivement appris à être indépendante et forte grâce à elle, et j'ai appris à faire face aux difficultés et aux défis de la vie. Cependant, lorsque je suis entrée à l'école primaire, je suis retournée auprès de mon père. Elle était l'une des personnes les plus importantes dans mon éducation et elle m'a rendue plus forte et plus courageuse. Ma tante s'est approchée de moi et m'a serrée doucement dans ses bras. Je lui ai dit, « Tante, tu me manques tellement. Cela fait 9 ans que tu me manques. Comment vas-tu maintenant ?» Ma tante a souri doucement, « Ma chère enfant, je veille sur toi. Je suis fière de toi. J'ai vécu une vie très heureuse ici. » Ma tante m'a tapoté l'épaule et m'a dit gentiment, « Je me souviens que la première fois que tu es venue chez moi, tu étais un peu mal à l'aise. Le nouvel environnement te rendait très timide. » J'ai souri et hoché la tête en me remémorant la scène. Nous nous sommes également remémoré un incident amusant. Je venais d'arriver chez ma tante et je n'étais pas tout à fait à l'aise dans mon nouvel environnement. Ma tante m'avait préparé un nouveau lit. Au cours de la première nuit, je n'ai cessé de me retourner dans le lit, essayant de trouver une position confortable pour dormir. Soudain, j'ai accidentellement glissé du lit et je suis tombé par terre. Ma tante a entendu le bruit et s'est précipitée dans la chambre, ne pouvant s'empêcher de rire de mon apparence hilarante. Elle a même appris à imiter mon expression après que je sois tombé du lit et que le bruit des rires ait envahi la pièce. Ici, ma tante et moi avons beaucoup parlé. Finalement, ma tante m'a dit, « Il est temps de rentrer. Ton père t'attend. » Finalement, ma tante m'a dit, « Il est temps de rentrer. Ton père t'attend. » Nous sommes sortis de la chambre. Ma tante me tenait tendrement la main, le regard plein d'attention. Elle m'a dit, « Chérie, tu es devenue une enfant courageuse et forte. Ton père t'attend, il t'a toujours aimé et veut que tu sois heureuse à ses côtés. » J'ai levé les yeux, j'ai essayé de contrôler mes émotions, j'ai souri et j'ai dit à ma tante, « Tante, je n'oublierai jamais l'amour et l'enseignement que vous m'avez donné. Je serai une bonne personne. » Ma tante a poursuivi en disant, « N'oublie pas que,
où que tu sois, ma tante te soutiendra toujours. » J'ai acquiescé, des larmes s'échappant du coin de mes yeux, et finalement, nous nous sommes serrés très fort dans les bras l'un de l'autre, nous donnant mutuellement de la chaleur et des bénédictions. Enfin, je me suis retourné et j'ai quitté la pièce. En sortant de la pièce, j'ai senti une forte attraction, comme si une force invisible m'appelait. Je me suis détendu et me suis progressivement rapproché de cette force qui me guidait. En revenant dans mon corps, j'ai senti un fort tourbillon, comme si j'étais pris dans un énorme vortex. Tout autour de moi est devenu flou, comme si j'avais vécu un voyage fantastique. Peu à peu, je me suis senti revenir dans le monde réel. Ma respiration est devenue régulière, je sens mon cœur battre et le sang circuler dans mon corps. J'ai lentement ouvert les yeux et je me suis retrouvé allongé sur un lit dans une chambre d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières. Mon père se tenait également près du lit, l'air hagard. J'ai souri et j'ai fait signe à mon père. Mon père m'a serré la main et m'a dit d'une voix légèrement tremblante, « Mon fils, tu es enfin réveillé, j'étais si inquiet pour toi. » Mon père a tendu l'autre main et m'a caressé doucement la joue, ses yeux exprimant un profond amour paternel. J'ai souri et j'ai dit à mon père. « Père, j'ai vu ma tante et elle m'a dit de te dire bonjour. » Mon père s'est montré très surpris et a dit, « Mon fils, tu as peut-être des hallucinations. » J'ai répondu fermement, « Papa, je n'ai pas d'hallucinations et ce n'est pas un rêve. J'ai vraiment vu ma tante. Elle m'a dit beaucoup de choses. » Mon père m'a écouté et a réfléchi un moment. Puis il a dit, « Mon fils, ton expérience t'a peut-être donné la folie des grandeurs, et ce n'est peut-être qu'une réaction psychologique. Elle nous manque beaucoup, mais elle est loin de nous depuis de nombreuses années. » Il a poursuivi en disant, « Mon enfant, qu'elle soit réelle ou illusoire, votre expérience est importante. Notre tante était une personne très importante pour nous tous et elle nous a beaucoup aidés. Nous devons lui être éternellement reconnaissants. » Le lendemain, un médecin est entré dans mon service. Je l'ai immédiatement reconnu comme étant le médecin qui avait utilisé la longue seringue ce jour-là. Je l'ai regardé avec reconnaissance et lui ai exprimé ma gratitude. Le médecin m'a regardé avec méfiance et m'a dit, « Je crois que c'est la première fois que nous nous rencontrons, vous devez vous tromper. » Je lui ai répondu fermement, « Docteur, je sais que cela semble incroyable, mais lors de mon expérience de mort imminente, je vous ai vu. Je vous ai vu vous précipiter dans la salle d'opération avec une longue seringue à la main. » L'expression du médecin est devenue sérieuse et il a écouté attentivement ce que j'avais à dire. J'ai décrit l'expérience du mieux que j'ai pu, y compris l'obscurité de la pièce, flottant au-dessus de mon corps. Après quelques instants de contemplation, le médecin a pris une profonde inspiration et a déclaré, « Cela semble incroyable, mais nous avons de nombreuses questions sans réponse sur les expériences de mort imminente. Il se peut que votre expérience soit une expérience spirituelle unique. Merci d'avoir partagé cette histoire avec moi. Les expériences de mort imminente sont un domaine mystérieux et complexe. Et il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. L'expérience de chaque personne est unique. Que l'expérience soit réelle ou illusoire, elle devient une partie de votre croissance. » J'ai regardé le médecin avec gratitude et j'ai ressenti son honnêteté et sa compréhension. Cette expérience particulière restera à jamais gravée dans mon cœur et m'incitera à mener une vie plus significative. C'est avec un cœur reconnaissant que je continuerai à aller de l'avant.